Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada avec vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Rookie Life, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Débute la 9e heure du jeu. Du soleil. Bien. Il y a un espace vide. Ah. Ah. Je trouve ça. Et une claque derrière la tête. Ah, c'est juste. Wow. Cacher des boucaniers, ça serait complètement. Ouais, wow. Ah, je ressens un bas-relief de loup dans la pierre. Bon, je me demande à quoi il s'agit. Lars, tu es là? Il rit depuis, peut-être. C'est beau jeu, ils m'ont fait juste la vie. J'ai été c'est. Ouais. Oh. Pas de matériel abandonné, pas. Hmm. Ah, une note. Trois jours, cet endroit est gigantesque. Nos efforts de cartographie avancent bien, mais nous croisons en chemin. Non, Bruce. Non. Ça ne me donne pas franchement confiance. Un moyen de passer.
dedans, t'es déplacé ici. Il y a une terre dessous. Combien de l'eau, j'ai fait? Pas un grimpeur. Non. Quand j'ai quelque chose qui cloche. Je vais m'approcher. Je mange pas. Il a laissé un vieux mousqueton en dessous. Pas forcément utile. Oh, Eva.
Oh, tac. Et maintenant. Jeter à l'œil. Oh, je l'étais, c'est vraiment possible qu'il y avait un merde. Peut-être que c'est moi qui... En fait,
Fabre. J'ai toujours été sous. Tobin, lâche. Alors, si tu es là. Escalade, on escalade jusqu'à la fin. Tiens, c'est ouvert maintenant. Cette odeur. Étrange, ça me donne envie d'un sandwich au rhum Rollmoth. De papa au là, je dois vraiment être affamé. Peut-être que si je me fourre dans un puits sans me geler, elle partira. Ça m'indiquera peut-être le chemin de Lars. Toi, arrête de te vanter. Arnaque. On me rattrapera. Poignée n'arrête plus haut que j'espérais. Maintenant, je ne peux plus remonter. Il va falloir que je trouve une autre issue. C'est quoi, bon, un château sans un cachot froid et humide dont personne ne sortira jamais? De pouvoir me glisser par là. La porte se l'est défoncée, mais pourquoi quelque chose était-elle enfermée ici? Il y a une fois que j'ai vu quelque chose dans ce style au musée. Tiens, ce vieux marteau, complètement givré. Pourtant, la chasse, elle ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il arrive à la créature? Si mon ouverture est un peu plus grande, je ne pourrais m'y glisser. La porte de la cellule est défoncée, mais pourquoi ces choses étaient-elles enfermées ici? Ouais, je vais pouvoir ouvrir une porte, j'imagine, éventuellement. La vieille bannière dans le lambeau, on dirait l'image d'un ours, la feuille. Ouais, représente l'automne. Loin des autres, qu'est-ce qui se présente de différent? Je vais devoir trouver un autre accès. Clé. Je vais desserrer tout de suite. Sacré poing. Où les griffes s'est détaché. Oh, moi j'ai la clé. Complètement gelé. Et figé par le froid, il y a même pas de ça. Le verrou doit être dans la pièce au-dessus. Elle est bien prisonnière. Oh. Ah. Ça, bien. Thank you.
Et voilà. Mais quel quoi, c'est une blague, c'est ça? Donne-moi un coup de main. C'est peut-être un enfant qui m'aide, Tov. Est-ce que la clé va rentrer? Ah ouais, mais c'est la bonne. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est chaud. C'est donc là que ça conduit. Les barreaux vont peut-être céder. Et voilà, je ne peux pas aller trop plus que ça. Et un vieux marteau. On ne sait jamais quand ça peut être utile. Je crois que je peux tordre les barreaux. Non, ils n'iront pas plus loin. Et la porte est ouverte. Mais est-ce que quelqu'un m'aide? Je croyais que les autres gardiens ne pouvaient pas m'aider ici, alors qui? Je fabriquerai des médicaments. Il y a un inverse. Mortier, un pi. La porte de. C'est le défoncer, pourquoi il s'était enfermé ici? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis désolé. Le pauvre. Il n'y a pas 36 explications sur la présence ici. Cet endroit devient de pire en pire. J'espère que vous allez bien, les enfants. Je sens que cette cellule est différente. Non. Pas moyen de passer. Lui, c'est petit Médéa. Hein. Un chouette à jouer à mon journal. Les bannières en lambeau, on dirait l'image d'un ours. La feuille doit représenter l'automne. Tester un peu d'abord. Ça m'a l'air assez solide. Allez, c'est parti. Yes. Parfait, le voie est libre. Eh oh, tu es là? Tu m'as bien aidé. De soi. Oh, ce portail s'est-il ouvert de lui-même?
Peut-être que cet endroit est vraiment hanté. Au moins que Tov, ils sont forcément là quelque part. Lars! Lars! Tu m'entends, sache que je viens te chercher. Tout ce qui a été enlevé, bon. Passage s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Wow. Encore du matériel abandonné par l'expédition. Il y a une note. À quoi sert cet étrange cadran solaire? Je suis sûr qu'il est là de l'importance. Ils ont refusé de faire halte le temps que je l'examine de plus près. Je ne peux pas leur en vouloir. Le mal invisible roule ici. Je jurerai entendre des bruits, des murmures inhumains. Les pauvres, je sais de quoi ils parlent. Même des adultes ont peur ici, et des enfants qui sont là. Il y a peut-être du mal, du matériel utile dans les autres caisses de ravitaillement de l'expédition. Les vieilles caisses de ravitaillement fermées, tout. Le moyen de l'ouvrir. Je ne vois pas que le marteau ne sera utile. Les provisions des explorateurs, est-ce que j'ai moyen de l'ouvrir? Je dois pouvoir ouvrir avec la force. Rien à part des copeaux d'emballage. Je vais pouvoir ouvrir avec la force. Un livre ancien. Comment est-ce que l'expédition est tombée? Je lis les motifs de relief sur la couverture en cuir. Un palais très stable. Mais c'est bon, le mental est baissé. Il devrait y avoir moyen de le relever. Nous sommes maudits, toi aussi tu restes. Passer ici. Il y a une fissure dans le mur, mais elle est recouverte de glace. Pourquoi il n'est pas en cage? Comment je vais passer, moi? Je
Je vais pas aller geler. Et là, j'aurais besoin d'aide. Alors, si tu es dans un de ces trucs, pourquoi est-ce qu'il trouve tous les endroits les plus sinistres pour se cacher? Non, je ne vais pas par là. Où est-ce que nous sommes restés ici? Comment souhaiter que la cage soit ouverte? Où? Pas rien, voyons. Rien. Toi là. C'est bien. Ça ne m'intéresse pas ça, ils ont dû le laisser de côté. Ils ont laissé un autre putain d'escalade. Ah bon. Allez, là, elle est pas, elle a pas. De matériel abandonné par l'expédition. Il y a une note. L'inventeur 3, ration, etc. Inspection des outils. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la mort? Les hommes ne semblent pas soupçonner le véritable motif qui me pousse à la conduire ici. Ce serait-il venu s'ils avaient reçu? On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose. Une étrange clé de voûte octogonale. Je crois qu'il y a un symbole inscrit dessus. Arrête de dire, toi, en plus, ne changez pas lui. Alors, je trouble. J'espère que les fruits bizarres vont leur plaire. Le piège est tendu, voyons. Je suis naïf, je m'appelle Gwen. Papa, je crois que tu es là. Je ne sais pas comment. Tu m'entends. Je veux qu'en mon signal, tu fermes la porte. Maintenant. Qu'est-ce que c'était? Tov, Matov, c'est toi. Je veux que... Oh. C'était bon. T'es vraiment là? Je suis pas seul, papa. J'ai eu si peur que tu t'avais perdu. Et à partir de maintenant, on est à deux. Comment alors c'est ramenant-le chez nous? Escalade, allez. Il va pas en baisse. Coucou. Papa, ours, tu es toujours là? Ça peut t'aider, ça. Thank you.
manque quelque chose. Je vais bouger ça. Magnifique vieille broche, je vais faire un chouette ajout à mon journal. Voilà d'autres qui ont quitté leur cage. Je préfère ne pas trop m'en approcher. Il semble y avoir une sorte de rouage par là. Il faut aussi un autre de ces fruits dégoûtants. Ça pourrait être utile, cela dit. Prends. Bonne pèse, bien robuste. Je ne peux pas aller de ce côté. Bon. J'ai touché la pierre, pas moyen de continuer à creuser. Aucune indice caché, encore moins de trésor. Bon. Encore un petit Freeburg. Il ouvre des dessus. Il y a aussi une fleur de symbole de printemps, peut-être. Ah.
Là. On va l'éviter. Il y a un truc. Attends. Attends mon signal. Allez, viens-t'en. Vas-y, chou-chou. Oh, j'ai une vague, ça se met en danger. On a réussi, papa, on se rapproche de Lars. Ouais, j'allais. Et voilà. Allez, la naïve. Piège. Il est parti. Passé, j'ai pas lu. Papa.
Ah, je viens de comprendre. Allez, naïf. Papa! Allez, papa ours. Le rouage, le fruit défendu. Ouh. J'espère que ces fruits bizarres vont leur plaire. J'espère que je fais ce qu'il faut pour t'aider, Tov. On a réussi, papa. On se rapproche de Lars. Désolé de vous avoir piégé, mais je dois rejoindre. Je sauve, peut-être que ça vous aidera aussi. En pas si con. Yes. Une clé ancienne. La clé va rentrer. Yes. Mais c'est la bonne. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Le coffre, qu'est-ce qu'il contient? Pas moyen de l'ouvrir, il est fermé avec un vieux cadenas. Il y a quelque chose derrière, déplaçant tout ça. Bon, il y a du lierre. La terre. Je trouve un bizarre, une sorte de canne peut-être.
Une dalle étrange avec un symbole gravé. C'est assez, mais je crois que je peux le faire en le forçant. Et voilà. Sauf qu'est-ce qu'il y a ? Pas mal d'ouvrir et de fermer la clé. Tiens, oui. Tout va. Et voilà, c'est la pièce. Non, c'est pas. Pas de poser question. Étrange granuleux, c'est bizarre que genre de fruit. Wow. La terre était fraîchement retournée. Merci papa. Ouf, c'était juste. Cette vieille torche devrait être. Quelqu'un a dû essayer de s'orienter dans le noir. Je me demande ce qui lui est arrivé. Papa? Tu es là, papa? Je vais t'ouvrir le portail. Je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour pas. Allez, c'est parti. Yes! Ouais, la voie est libre. Lourd, mais je prends. Et voilà. Non, bouge ça. Quelque chose cloche, il manque une pièce. Wow. Un matériel abandonné par l'expédition, il y a une note. Nous avons organisé un service funèbre pour Hansis, lui qui était toujours si prudent, qui a-t-il pu se produire? Il nous manquera, mais il connaissait les risques. Repose en paix, mon ami. Ça me dit quelque chose. Je crois avoir entendu des histoires cette expédition quand j'étais gamin. Je suis bien lourd, ça peut être utile. Stage griffonné, nous avons organisé.
liberté. Une vieille incluse servirait à faire monter des provisions. À moins de la sonner et de geler. Passer de l'eau. Je peux descendre. Il y a moins de grimper. Les prises. Je peux descendre. Les prises s'arrêtent à mi-chemin.
Toujours là, Gwen? C'est tout pour le live du Caribou canadien sur le jeu Rookie. Oh yeah!